Cet événement que nous organisons est bien une rencontre entre des entreprises plus ou moins grandes, de différents secteurs d'activité et également plus ou moins avancées dans la prévention des addictions. C'est donc un temps d'échange et de partage de bonnes pratiques que nous allons vous proposer ce soir. Il fallait justement que je me cache, et j'allais me cacher en passant des heures devant la glace à me maquiller, à me surmaquiller. Et puis donc forcément j'arrive en retard. Puis au début je suis arrivée un petit peu en retard, et puis un petit peu plus, et puis de plus en plus. Quand même à la fin j'arrivais à 10h du matin et on me disait rien. Effectivement tout le monde savait mais personne ne disait. Pour pouvoir en parler, il est bien que le sujet soit mis dans l'entreprise comme un sujet non tabou. C'est-à-dire que mettre en place une politique de prévention facilite considérablement la possibilité de parler à un de ses collègues. Dans l'entreprise, on est quand même 26, une entreprise humaniste. Notre objectif, c'est quand même garantir l'intégrité physique et morale de chaque salarié et de pérenniser au maximum l'emploi de nos salariés. Ben, ça fait partie intégrante de notre mission. Moi, chez Saint-Gobain, c'est rentré, pour terminer, par la voie, même pas de l'UHS, par la voie du médecin. Malheureusement après un accident mortel où on a incriminé la consommation de substances illicites, psychoactives, et donc on a dit qu'il faut faire quelque chose, donc c'est pas très glorieux, mais néanmoins il est jamais trop tard pour bien faire. Le fait de venir ici, c'est pour avoir justement des modèles de réflexion, en tout cas des pistes de travail pour aborder le sujet, on va dire, en DRH, parce que je travaille aussi en DRH. Ariane, ce qu'elle a dit, c'est fabuleux. Fabuleux, extraordinaire, et on sent un vécu et des faits, du ressenti qui peuvent apporter, à mon avis, énormément aux salariés. Les addictions touchent un tiers des gens dans ce pays, si j'ai bien retenu, ce qui est énorme et nous concerne tous finalement.